Bonjour et bienvenue, on est reparti pour ce Callisto Protocol. Donc on va recommencer du début. Honnêtement, je pense que c'est un bon jeu et qui mérite de bien se jouer en fait. Donc il y a eu le patch qui est sorti, donc le stuttering devrait être complètement parti sur PC. Donc yeah, trop bien, fallait vraiment simplement tester le jeu avant sortie, mais bon bref. En tout cas, ils se sont tapés des bonnes reviews négatives sur Steam et elles vont rester jusqu'à la fin des temps. Donc ça leur fera un peu les pieds. Donc il y a ça, et surtout la VF est une catastrophe. J'en ai même parlé dans une autre vidéo. La VF est une catastrophe, donc je suis allé télécharger la langue en anglais, donc on va le mettre en VO. Donc anglais, sous-titré, français. Voilà. Donc je pense qu'on passera un bien meilleur moment. Donc ouais, c'est reparti. J'avais vraiment envie de relancer le jeu, en fait, tout simplement. Donc sécurité maximum, encore une fois. La visibilité, on est bon. On est parti. Allez. On va espérer que ça, qu'il n'y ait pas de problème cette fois. Ok, déjà, rien que dans la première cinématique, il y avait des freezes et tout ça quand on a joué la première fois. Donc, ouais, non, là, ça fonctionne bien. Bon, là, ça va. En tout cas, on se tait. On regarde la cinématique qui va être du coup en anglais et sous-titrée français. Shocking footage from Europa. A brazen attack by the Outer Way terrorist group, led by the notorious Danny Nakamura. That's enough. We got a job to do. This is Callisto Hangar Control to UJC Charon. You have cleared the security perimeter. Roger, Hangar Control. Laying in course for Europa Station. You got something to say? You're gonna keep flicking that thing all day. I was watching that. It's our last run, Max. And I'm done talking about it. Then what do you want me to say? How about thank you? Because after this job, we're never gonna have to work another day in our lives. Well, I guess you got it all figured out. I guess so. Come on, man. What is this? Huh? Back and forth, Callisto to Europa, all this additional security. It's a prison moon, Max. They take their security pretty serious. And what about the attacks? Huh? How do you explain that? By the Outer Way? They've been hitting targets all over the sector for the past 6 months. We got a yellow light in the cargo hold. It's probably nothing. Well, it's still worth checking out. You shouldn't worry so much, you know? You live longer. Déjà nettement mieux. Sensors are both showing errors. Go check them out. I'm going, I'm going. Nettement mieux par rapport à la VO. Et puis, ouais, le jeu lag pas pour le moment. Y a pas de problème. Ouais, on va passer un bien, bien meilleur moment. Nouvel enregistrement. Alors, apparemment, on peut les écouter. Alors, la seule façon que j'ai trouvé, c'est sur PC. Parce qu'en fait, il y a Tab qui affiche l'inventaire et qui l'enlève. Et j'arrive pas à le faire sur une manette. Je dois être complètement con, je sais, ça arrive souvent. Mais on peut écouter les audios et enlever l'inventaire, en fait. Voilà. We're docked at Callisto Hangar. Can find the quarters while they load the cargo. Max has been on my case about these Europa runs. We've done jobs like this before. Don't know why he cares so much now. I mean, it's just a job. Gotta keep your head down and your mouth shut. Voilà, donc je sais pas le faire sur manette. Parce que quand je vais dans l'inventaire, j'arrive pas à sortir de l'inventaire sans couper l'audio en fait. Alors que sur le clavier, vous faites tab et ça marche. Donc je sais pas.
Mais ouais. Honnêtement, le jeu est bien, bien mieux. Le jeu est bien, bien mieux comme ça. Je suis sûr que c'était en plus quelques... J'ai pas regardé la mise à jour, mais je suis sûr que c'était quelques MO. Come on, Max, you gotta stack these right. Je suis sûr que c'était quelques MO et ça. Et maintenant, le jeu, il lag plus du tout, quoi. C'est ouf. C'est ouf. This better be worth the trouble. I should check out the rest of the ship. Boo. Non, c'est pas... Ah, c'est là. Nice. Son of a bitch. Well, I guess I'll check the other side. Là, on va la voir, notre immersion tant attendue. Yes. Max, we got trouble. What's up? We've been boarded. Oh shit. The other way? Yeah, I'm guessing. Alright, well, you get your ass back up here. And watch your back. You know, it could be anywhere. Danny. J'ai mis les noms du coup aussi. Les noms des interlocuteurs. Comme ça c'est plus simple. J'aurais dû peut-être même mettre les couleurs. On peut avoir les couleurs différentes sur les noms, je crois. Dampening field still in effect. Not for long. What do they want? How should I know? Anything? Almost out of time. Go, 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 go. There he is! Pop him! Max! We're heading for the bridge! Open up! What are you gonna do? Whatever I have to. What are you doing? No! Shit! Warning! Explosive. I'm under control! Just hold on! I'm on my way! Jacob, get up here! J'essaye. C'est un peu lent. J'essaye. The ship's caught in the moon's gravity. We're being pulled in. Là, ça devient cool. Là, ça devient cool. C'est moi qui pilote ou pas vraiment. Ah. On vient de passer à travers. Hein. Ah, une roche. Ok, nettement mieux quand tout se passe bien. Ah bah du coup on va... Parce qu'on avait des conversations un peu étranges au début entre les deux là, tout ça. Entre le l'officier là. Je me rappelle plus de son nom, Léon je crois. Donc là on va voir un peu ce qui se passe. Max. Max. Hang on, buddy, I'm coming. Hey. Hey. Oh.
Jacob. Jacob. Why didn't you listen? Hey, come on. Come on. One life sign detected. Continuing search. Black Iron Security! Paris. Yeah. And him? He's gone. Then we'll just need the one. Okay, let's get you out of here. Honnêtement, il était pas mal en français. Don't get many of you freelancers out here. I was just doing my job. Mais c'était une catastrophe là, le mixage et tout ça de la VF, donc c'est mieux là. First ship I ever lost. Reported by. Let go of me. Her. She's the one who. Hey. Oh, your jets, cargo jockey. You do your job. You let me do mine, huh? Sir. Yes, sir. Whatever you say. Grab him too. Hey, what are you doing? Hey, I didn't do anything. Maintenant, c'est vraiment devenu The Callisto Protocol. C'est bien. C'est plus le Stutter Protocol. Ça va, c'est mieux. Ah, je suis content. C'est reparti. Épidémie. The fuck are you looking at? Why? Huh? Way too late for this shit. Okay, inmates, do not speak unless they are spoken to. There's been a mistake. My name is Jacob Lee. I'm not an inmate. You were inmate. 532-521. You address me as Captain Ferris. What? No. I'm just a cargo pilot. I was attacked by the Outer Way, by her. She crashed my ship and she killed my first officer. I don't care. Warden's orders. Oh. Speak of the devil. Choice. Every choice in your life has led you here. To this moment. To this place. The only place where you truly belong. To find the one thing that has always been missing. A purpose for your meaningless life. This is Warden Cole, and together, we will find that purpose. Welcome to Black Iron Prison. I just love that last part. Gives me chills every time. End of the line, get up. Inmates. I gave you a direct order. This is not right. I don't belong here. Listen. You know they call Callisto the dead moon. Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. I mean, shit. As far as anyone else is concerned, you are dead. It's time you moved on. Because you're crossing over to a new kingdom. No. My kingdom. So whatever it is you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. Surprise, dead man. Okay. Grab her. Let's go. Proceed
Stop it! Hey, wait, no, no, you got it! Inmate 532-521. Dr. Caitlin Marler, and as per Article 412 of the UJC Penal Code, you will now be fitted with a core device. The doctor, he's not in the system. We don't know. Just prep the device. That device! No! No! You're a goddamn doctor! Yes, stop. I intend to faithfully execute my responsibilities. Try not to move, it'll only make things worse. Oh, fuck you! Doctor, he's flatlining. Injector. Je vais être honnête, je suis sûr qu'on a des lignes de texte en plus, en fait. Je suis sûr qu'il en manquait dans la version FR. Explorer la cellule. Je vais juste faire un tour dans les options vite fait, juste pour être sûr. Ok, on est de retour. Il y avait du flou de mouvement, je crois, qui était activé, et la profondeur de champ aussi qui était activée. Honnêtement, j'aime pas jouer avec ces deux trucs. Le flou de mouvement, ça dépend des jeux, mais celui-là, non. Et j'ai remarqué qu'il était activé, alors que je l'avais enlevé. Mais je crois que ça s'est réinitialisé, en fait, les graphismes. Donc voilà, je l'ai enlevé, du coup. Ça va être beaucoup mieux pour moi. J'ai remarqué que ça y était en fait pendant la cinématique, mais si c'est bizarre. Donc c'est pour ça que je suis allé vérifier pour être sûr. Attention. All security personnel report to the main cell block. This is not a drill. Please remain calm. There is nothing to fear. What the hell? What the hell? Est-ce qu'on voit quelque chose? Genre, est-ce qu'ils font quelque chose à part bouger comme ça là-bas? Non, pas vraiment. Oh my god. Oh my god. Bon, cette fois, il peut le dire parce qu'on est en anglais. Dans la VF, il avait dit oh my god en anglais aussi, pareil. C'est assez drôle. Ok, des fois, c'est nettement mieux. C'est jour et nuit, hein. C'est jour et nuit déjà pour se déplacer. Nettement mieux. On verra pour le combat comment ça se passe. Je tourne très bien, aucun problème. Hey man, yes. Bruv, what the fuck is going on? I don't know what the hell's going on. My ship crashed. I got thrown in here, and then I woke up to this. Well, look. You're that pilot they just brought in, yeah? Yeah. Well, look, I've been in here half my life. I know this place. I've got a plan to get out. Hey, il a un accent. Help me out of this cell. I'll help you, yeah? Look, you can use this to get inside a control room across that bridge. You can open my cell from there. My name's Elias, by the way. Jacob. Don't lose it, Jacob. I just save your life. Don't leave me hanging. Là, du coup, je parle moins, hein. J'ai moins à me plaindre. Nettement mieux. Attention, ça va se fermer. Je suis omniscient.
Vas-y, Jacob, on y va. Yeah, Jacob! Là, on va faire du combat sans stutter, ça va être ouf. Ah, je vais sûrement me planter quand même, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est mieux. On n'a jamais besoin de faire ça, genre une attaque lourde où il faut maintenir, il faut appuyer plusieurs fois sur Y. Ce serait plutôt cool ça. D'accord, ok. Je fais toujours de la merde, c'est cool. Mais putain, esquive, bordel! Oh là là, tu me gardes. Ah bah honnêtement, c'est plus simple. What the fuck was that? J'ai fait un peu de la merde, mais ça c'est moi qui fais de la merde, c'est pas... What you doing? Sinon c'est beaucoup mieux. C'est nettement mieux, à la vache. J'arrivais à voir les mouvements approchés et tout ça, t'es bien. Ok, on y va. Ah, on va un peu vite au début, parce qu'on a déjà vu ça. Donc on va un peu vite. It's no good. Console's not responding. Back there, I just saw something. It attacked me, and it didn't seem human. What do you want about? I know what I saw. Look, this place can mess with your head, but this is our chance. Whatever it was you saw, it's all the more reason to get out of here. You see that watchtower? Yeah. That's our first stop. Meet me there. How? Elevators that way. Take it up to the next level. I'll be in touch. Ah, il parle vite. J'aime bien. Maybe it is that way. I'll be in touch. Je crois qu'il faut combattre là, on est obligé de combattre. Reculer pour bloquer les attaques. Oh la vache, l'esquive de merde, je suis nul en esquive. Merde! Faut que j'arrête de vouloir taper après une esquive. Faut jamais taper après une seule esquive. Faut au moins attendre deux. Ou alors faut mettre un temps pour voir si le mec va pas retaper derrière. Je fais toujours cette même erreur. Hein, après 6 heures de jeu, je fais toujours la même erreur. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ok, c'est un peu mieux. C'est pas encore parfait. Je sens que des fois le jeu charge des choses. Mais honnêtement, il n'y a plus de stuttering en fait. Il y a juste des ralentissements. Yeah. How? Enable two-way comms with your core. You know, pick up a few tricks when you've been here as long as I have. But I see you made it to the lift. Just take it down and find the elevator on that level. Attends. Ah oui, non, mais c'est là. Je croyais qu'il y avait deux chemins. Thank you.
Très bien. On va avancer un peu plus vite aussi. Ça va être cool. J'ai hâte d'être où j'en étais, honnêtement. Oh merde. Ouais. Oh putain, merde. Mauvais côté, mauvais côté. Alors vas-y. Hop. Ben, c'était pas parfait encore une fois, mais ça va. Ah, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu, quoi. J'avais mieux fait la première fois, c'est ouf. J'ai du mal avec les esquives, ou alors je sais pas, c'est la hitbox qui suit pas, j'en sais rien, j'ai du mal. Au début, en tout cas, j'ai du mal. Sans équipement, j'ai grave du mal. On avance. Elias, something's wrong with the elevator. I'm heading down, not up. Damn, that means you're headed to Solitary. You can still reach the watchtower. Just have to go the long way. Just be careful. They keep the real crazies down there. J'ai l'impression que c'est la voix de Glenn Schofield, lui-même, en fait. Le personnage, je suis pas sûr. Ah, je crois qu'il y avait des caisses bleues, je fais pas attention, fallait les casser. Bon, c'est pas grave. Jacob. C'est pour l'argent. Vivement qu'on ait la matraque. On peut les ouvrir ces cellules, j'avais pas vraiment fait attention à l'heure. Y'avait pas d'autres cellules? Ah si, celle-là. Là, je suis nettement mieux dans le jeu, honnêtement. Je passe un meilleur moment. Si je parle pas, c'est que le jeu le fait pour moi. C'est ça le truc. Donc là, c'est cool. Là, je passe un bon moment. C'est important. Si je parle pas, le jeu le fait pour moi. You hurt? No, boss.
va avancer. Traitement. Le son, j'ai remarqué la première fois que j'ai joué, c'est pareil. Le son, comment on dit, genre le son spatial, genre pour d'où viennent les sons, où sont les monstres, j'ai pas l'impression qu'ils soient extrêmement précis, j'ai remarqué. Alors, je sais pas, mais... Genre à un moment, il y a un monstre qui gueule extrêmement fort, on dirait qu'il est à côté, en fait il est loin, enfin il y a plein de trucs comme ça. Ah oui, le robot qui parlait anglais de temps en temps. Oh God, no! Move! No, no, we're not infected! Lethal force has been authorized. No. Area secured. Moving to medical sector. Pourquoi il doit avoir une voix aussi classe? Oh, par contre, j'ai un truc, j'ai l'impression que le jeu est beaucoup plus fort aussi en anglais. Faudrait que je le baisse, faudra que je vois ça quand j'éditerai la vidéo. Mais je vois qu'il va dans le rouge, alors qu'en français, il allait pas dans le rouge. Mais la voix du robot, elle est pas trop classe, en fait, la façon dont il parle. Je trouve qu'il se la pète un peu trop, le robot. No activity detected. I can't let him see me. Weapon systems online. Wow. Je voudrais bien avoir une voix comme ça, honnêtement. Je ferais de la ASMR. Y'a pas des trucs là. Je ferais de la ASMR. Ma chaîne, ce serait de la ASMR avec une voix grave comme ça. Lethal force authorized. Lethal force authorized. Just stay low. Même en anglais, Jacob il chuchote, du coup ça a plus de sens alors qu'il parlait normalement en français. C'est un peu débile. Charge. Attends, du coup on doit aller là ou... Je crois que c'est là. Ok, le robot il part. Je suis pas sûr en fait. Il y a un truc aussi que je regrette et qu'il n'y a pas d'enjeu, en tout cas pas pour le moment. Dans Dead Space, on avait le système où on pouvait avoir des lignes laser là, de son gant, en fait, il faisait Isaac. Ça montrait l'objectif, en fait, où était l'objectif. Ça montrait les endroits avec... des salles qu'on n'avait pas vues la dernière fois, je crois. Des ateliers, tout ça, pour augmenter nos armes ou les tenues et tout. Et du coup, de savoir où était l'objectif, ça permettait de pas aller à ces endroits-là, en fait. Oh, putain. Et de... Attends, est-ce que je peux passer par là? Et du coup, d'aller explorer, en fait, sans problème. Et ça, c'est con, parce qu'il n'y a pas ça, en fait, dans celui-là. Arrived at Black Iron today. Met Cole for the first time.
authorized me to restart the program. This might be useful. It won't be easy, but I trust in my team. They, as I, understand the promise here. The opportunity that lies ahead. Donc quoi? Oh putain de merde! What? On avait ça dès le début? What the fuck? Je me rappelle pas. Honnêtement, je me rappelle pas avoir. On avait ça maintenant. Ouais, j'ai pas de mémoire de toute façon. On devrait peut-être se soigner. Ça, sauvegarder. Ah bah. Bon, bah, on va devoir faire du sans faute. Merde. Ouais, non, c'est bon. Nettement mieux. Oh, cool. Il y a aussi un truc, si on n'arrive pas bien à esquiver, en fait, droite-gauche, genre à la limite, c'est, le mieux c'est de bloquer. Donc, je vais commencer à bloquer plus souvent, parce que j'ai le timing apparemment. Enfin non, le choix de la direction est mauvais de mon côté. J'arrive pas à choisir les bonnes directions apparemment. Ah oui, si vous êtes épileptique, adieu. Même moi, ça me fait mal aux yeux. The infirmary. Still looking for that weapons lockup. Okay, you're getting close. Just keep moving. Il y a des bestioles. Faut que j'augmente les graphismes ici. Je les ai un peu trop baissés. L'autre il bouge pas. Mais merde! Ah oui, mais l'autre il va partir, c'est ça? Voilà. C'est ça qu'il attaque pas. Une fois, une sauvegarde, et après j'irai voir les graphismes. Les graphismes, sont... il n'y a pas les options quand on est en jeu. On peut pas changer en jeu, faut retourner au menu principal. The lockup had already been raided. All that's left is this baton. Baton. Tourner autour de garde. Okay. Est-ce que je peux aller au menu ou pas? Ok, je reviens. Ok, on est de retour. En théorie, les textures, tout ça devrait être un peu mieux. Et ouais, on est bon en FPS et tout, y a pas de problème. Let's go. Oh putain de merde.
mauvais endroit. Ah ok, très bien. Parfait, j'ai cru que j'allais jamais l'embrocher. J'avais oublié que le mec venait comme ça. J'avais oublié. D'accès. Ce qui manque, c'est juste un demi-tour rapide. Honnêtement, faudrait que je regarde sur les le contrôle. J'ai rien. Almost there. Est-ce qu'on est plein ou... Non, on est pas plein. On peut voir. On a 4 soins. Ça va, on se débrouille bien. Ah, c'est pas là qu'on devait courir. Ah la vache, il m'a touché. Ah oh putain de merde, bon, c'est pas grave. De toute façon ça vaut pas le coup au début de combattre. Sois poli, arrête-toi sur le... Okay, très bien, ils sont très lents en fait. Ouais, c'est bon. Ah, il y avait peut-être un truc à récupérer sur la droite. Maintenant que je vois ça. C'est pas grave. Ça valait sûrement pas le coup. On n'a pas assez de ressources et tout, c'est... Ouais, genre là-bas, là. À droite. Ah, merde. De toute façon, je peux pas revenir en arrière. Puis ça, sauvegarder. Ouais, 17 secondes. Ouais, c'est mort. C'est mort, on avance. Pas grave. Ah, elle était marrante, cette cinématique. En français, en tout cas, elle était marrante. You. How the fuck did you get in here? You think I got time for this shit? Okay. Okay. Let me see if I got this straight. You crash here, and then this whole place goes to shit. Oh, 5, 2, 1. Look at me when I'm talking to you. What'd you do? Huh? You can tell me. Are you different? Are you special? Why'd the warden want you alive? I told you. This is my kingdom. And it's all yours. Ah, c'est mieux hein, quand il n'y a pas de problème de voix. Léon Ferris. Peut-être se soigner. On va dire j'utilise un peu les checkpoints un peu trop souvent à mon avantage. C'est-à-dire que si jamais ça se passe mal, ben un checkpoint. Et on continue. On recharge en fait. J'avoue que je fais ça un peu. Alas,
through. And so was Ferris. What do you mean? He was there. Those things killed him. You're harder than us all. Just keep going now. I found a safe room up ahead. No. Répercussions. No. Necessity. To do what is required. To make the hard choices. As your new warden, I will do what is necessary. For you. Ah, putain de toi. Ok. Ah, j'ai du mal. Hein. Je crois qu'on va bientôt arrêter pour notre premier épisode. Et après, on va faire des épisodes un peu plus longs. Putain, j'ai pas assez de vie pour bloquer une deuxième fois en fait. Oh, c'est chaud. Faut que j'esquive à tout prix. En fait, on devrait se soigner. Je vais me soigner, j'avoue. J'arrête d'utiliser les checkpoints à mon avantage. Allez, on y va. Bouh. Mal timé. Necessity to do what is required to make the hard choices. Ok, là on a bloqué, on avait assez de vie. Merde! Il avait quasiment plus de vie du tout quoi quand il nous a touché. Oh, ça va, on a un peu de soin. Mais chier. Je sais pas pourquoi je loot, parce que je vais m'arrêter là. Santé pleine. Enfin, quoi que. On va encore un tout petit peu avancer avec notre copain. Il y a rien. Ok. Ah yes, donne-moi le gun. Take that over to the reforge. You can use it to print a new weapon. Give me a minute to tap into the system. Ça marche. Yes. Oh. Please make a selection. Alors ça. On va vendre un soin aussi parce qu'on va être plein. Please operate responsibly. Okay, got it. If we're gonna get out of here, we need a ship, one that you can fly. Now, I found an inmate with the skills to hack the network and call one down from orbit.
Bad news is they're in the shoe. Maximum security. It'll be fucking tough getting in there. Cool bothering you? Yeah, ever since I got it. Yeah, they can scramble your brains a little bit. Don't worry, you get used to it. Yeah, you sure know a lot about this place. Yeah, I've had nothing but time. Okay, so what's next? The shoe? Can we just waltz our way in there? No, I wish we could. It's not gonna be that easy, bruv. Look, I've been here a long time. I've got privileges that you don't. So I'm gonna have to take you a different way. But I'll be your eyes and ears, and I'll guide you along. All right, don't you leave me hanging. I got you. Unless you know I'm a pilot. No, I'm afraid not. Right, I'll get that door for you. Okay. Okay, on va s'arrêter là. La 400. On avait dit que on voulait ça. On avait pris quoi? Ça au début augmente la longueur du combo de Mélanophie. Après il y a ça. Couper les bras et après on prendra les attaques lourdes. Ouais, on va refaire exactement pareil parce que ça s'était vraiment bien passé. Executing. Terrible. Bon, on va s'arrêter là. Ça sera notre premier épisode du... Je sais pas comment l'appeler. le re-let's play, le vrai let's play. Le let's play sans problème. J'imagine. Donc ouais, nettement mieux. Je pense que j'aurais dit nettement moins de mal du jeu s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes de frustration, puis après tout le reste et tout ça. Ça enlève pas les problèmes du jeu, j'ai envie de dire, les petits autres problèmes qu'on verra surtout par la suite. Mais déjà on passe un meilleur moment, on passe vraiment un meilleur moment. Donc ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Vous voyez, sans la frustration... On peut laisser passer les autres petits problèmes. Sans la frustration, on peut laisser passer les autres petits problèmes. Et vice-versa, on peut... Voilà, enfin bref, si le jeu tient bien la route. Donc ouais, je suis content. Je suis content d'avoir décidé de refaire le jeu, de recommencer le jeu depuis le début. On va continuer. La prochaine fois, on fera une vidéo un peu plus longue. Je vais essayer de faire des épisodes de 2 heures. Donc ouais. À la prochaine, ciao.